If everybody knew how much fun it was to keep a sex slave, half the women would be chained up in somebody's basement. When we've got a new girl in the playroom, we're kind of like a kid with a new toy. You are fresh and exciting, and we're going to spend a lot of time playing with you. Later, after the newness wears off, things will settle into something of a routine. We'll only be spending 3 or 4 hours each day in the playroom. Il kidnappe, séquestre et abuse des dizaines de femmes dans une chambre de torture artisanale qu'il appelait son coffre à jouets. C'est de loin l'affaire la plus sordide abordée sur cette chaîne et c'est celle que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Le 20 mars 1999, Cynthia Vigil Jaramillo se trouve dans les rues d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. La pauvre femme n'a jamais eu une vie facile. À seulement 11 ans, elle a été victime d'abus sexuels intrafamiliaux. Lorsqu'elle en a 15, sa mère est retrouvée dans un fossé assassinée. Le meurtre sera plus tard, courant 2020, attribué par le FBI au célèbre tueur en série Samuel Little. Pendant son adolescence, elle subit des violences conjugales au point de lui causer des lésions permanentes au niveau de la structure osseuse du visage. Enfin, quand elle a 20 ans, elle perd sa meilleure amie, victime de meurtre également. Un début de vie difficile donc pour Cynthia Vigil, ainsi que des problèmes d'argent qui la contraindront à devenir travailleuse du sexe dès l'âge de 13 ans. C'est dans le cadre de cette activité que Cynthia rencontre ce jour-là, sur un parking, un client pas comme les autres. Celui qui deviendra son tortionnaire loua ses services pour la modique somme de 30 dollars. La jeune femme de 22 ans suivit celui qui répondait au nom de David Parker Ray jusqu'à son camping-car Toyota garé non loin de là. Seulement, une fois à l'intérieur, l'homme affirme être un policier en civil et que la travailleuse du sexe est en état d'arrestation pour racolage. He pulled out this badge and he like flipped it over and told me I was under arrest and he put a handcuff on my wrist. And I was like, what the heck? And I was like, what kind of cop are you? Because I had never seen a badge like that before. It didn't look like any APD badge that I had ever seen. He said that he was with the state police, and I'm like, well, you know, state cops don't do stings on prostitution. And so I started fighting with him to get away, and he had one end of the handcuffs and the other one was on my wrist. Refusant de la laisser partir, la victime se débat. C'est là que Cindy Andy, la compagne de Parker Ray, fait son entrée afin d'immobiliser la jeune femme. The female came out of behind a curtain in the RV, and she shocked me. She had this big, long, red and white cattle prod, and she stuck it in my neck and just shocked me, and it knocked me like to the floor. It knocked me to my knees. And they both came to the back, and they got me up on the bed in the back of the RV, and they put shackles on me, they put handcuffs on me, and they put the handcuffs in the front this time instead of behind me, and they laid me down, but they put duct tape around my face. They put it around, like from under my jaw, around the top of my head, and then they wrapped it around my mouth and the back of my head, the duct tape. And
I was panicking and I couldn't breathe. I couldn't get enough air through just my nose. So they cut the duct tape off my face and they put a leather mask on my face. La victime restera menottée, attachée et bâillonnée pendant que le couple roulait jusqu'à ce qu'ils arrivent à un lieu qui était inconnu de Cynthia. En réalité, ils avaient parcouru environ 220 km jusqu'à Elephant Butte, une petite ville de moins de 2000 habitants au nord de la frontière mexicaine. C'est chez eux, plus précisément au 513 Chemin Base, qu'ils feront descendre la jeune femme. Rapidement, cette dernière est déshabillée et attachée de nouveau dans la maison. Là, Cynthia est horrifiée par ce qu'elle entend. On lui fait écouter une cassette, un enregistrement audio dans lequel David Parker Ray explique ce qu'il compte lui faire et lui donne des instructions quant à la conduite qu'il attend d'elle. On découvrira plus tard que Ray utilisait cette même cassette pour chaque nouvelle victime depuis 6 ans. Il finit par lui montrer des photos d'autres femmes ligotées et nues, subissant toutes sortes de sévices. Ce n'est malheureusement que le début du calvaire pour Cynthia Vigil Jaramillo. Elle sera séquestrée à l'intérieur du domicile du couple et subira des horreurs pendant pas moins de 3 jours. Elle sera, entre autres, violée à l'aide de plusieurs objets et sous la contrainte d'armes à feu, fouettée ou encore torturée à l'aide d'électrochocs. Elle témoignera à ce sujet. Equalizer type box, and it had wires coming out of it. And he connected it, he put like this gel on my breast. In my privates and everywhere. And he connected these clamps to me, to my body. And he shocked me for about 5 hours. They put these clamps on my breast and my private area. And they would shock me with the cattle prod. And as my body would jerk, it was in a pulley system that went through the ceiling. And at the other end was weight. So every time my body moved, the weight would drop and it would stretch. Les supplices endurés par Cynthia seront insoutenables au point que la jeune femme envisagera de mettre fin à ses jours durant la captivité. It's a weird feeling I can't explain. Because there was a part of me thinking like, how long is this going to be my life for? When is it going to end? But I didn't want them to end it. I wanted, if anyone was going to end my life, it was going to be me, not them. No, I did not think I was going to survive. I just thought it was... At one point, I didn't know how long that was going to be my life. So it was really hard. Because I wanted it to end, I wanted to die, but then I didn't want them to take my life. Concernant le matin de ce qui sera son dernier jour de séquestration, ainsi que celui de l'arrestation de son tortionnaire, la victime raconte. One of them paint buckets right next to the bed, and he told me that was my restroom for the day. And he goes, and when I get home from work, we're going to the toy box. And he got up and he went to work. Cynthia, terrorisée face au plan de son bourreau, était prête à tout pour s'échapper. Et c'est justement cet après-midi du lundi 22 mars 99, pendant que Ray était au travail, qu'elle réussira. Cindy Andy, qui était donc seule pour surveiller la captive, était au téléphone avec une amie quand elle a par inattention laissé les clés des liens de Cynthia Vigil sur une table près du lit où était enchaînée la victime. Saisissant l'occasion, la jeune femme tend son corps au maximum jusqu'à réussir à attraper les clés et détache ses chaînes du mur. C'est alors que Cindy Andy se rend compte de ce qui est en train de se passer et laisse tomber son téléphone dans la panique. Une lutte acharnée entre les deux femmes commence. La tortionnaire frappe alors Cynthia avec une lampe en cristal dans le but de l'arrêter, mais la jeune victime riposte en la poignardant avec un pic à glace qui était posé là, à portée de main. I grab the phone and I grab the ice pick and I dial 911 and I drop the phone. And I stabbed her with the ice pick and I got her like right in her forehead. Cindy Andy raccrochera pendant que Cynthia Vigil Jaramillo s'enfuit de la maison en courant, nue, ne portant qu'un collier d'esclaves et des chaînes cadenassées, s'élançant avec le peu de force qui lui restait sur la terre aride des routes d'Elephant Butte.
Elle essaiera d'implorer l'aide des habitants qui passaient en voiture, mais personne ne s'arrêtera face à cette scène plus que surprenante. La jeune femme terrorisée et désespérée courra jusqu'à se réfugier dans un mobil-home non loin de la propriété de ses tortionnaires. À l'intérieur se trouvait une femme en train de faire la vaisselle. Face à la détresse de l'inconnu et à son état général, elle ne pouvait que percevoir la gravité de la situation. Darlene et son mari Donald Breach décriront Cynthia comme ayant les cheveux couverts de sang et présentant de très nombreuses ecchymoses, blessures et traces de brûlures. La victime avait en effet, suite à la lutte avec Cindy Andy, une profonde blessure dans la région occipitale. Le couple la couvrira d'un peignoir avant d'appeler le 911, mais une patrouille était déjà en route pour le domicile de Ray en raison de l'appel que Cynthia avait tenté de passer vers 15h30 avant de s'enfuir. De plus, le service avait également reçu une série d'appels signalant une femme nue qui essayait frénétiquement d'arrêter des voitures dans une rue d'Elephant Butte. Quand les agents arriveront sur place, le terrain était désert. David était rentré du travail et le couple était en réalité parti à bord du camping-car, cherchant dans les rues de la ville la victime évadée. Ils seront donc arrêtés pendant leur traque. En parallèle, l'adjoint du shérif emmènera Cynthia Vigil Jaramillo à l'hôpital du comté de Sierra Vista pour qu'elle soit prise en charge. Les autorités étaient cependant confrontées à un problème. La crédibilité de la victime, qui était selon elle discutable en raison de sa profession et donc de la presque impossibilité de prouver qu'elle était là contre son gré. De plus, lors de l'interrogatoire, les deux suspects sont restés fidèles à une même version, affirmant que Cynthia était héroïnomane et qu'ils essayaient de l'aider à se désintoxiquer. C'est quand les enquêteurs ont commencé à contrôler le domaine que les doutes se sont dissipés pour laisser place à une réalité particulièrement sordide. Il était alors clair que David Parkeray avait prémédité ses actes, qu'il n'en était de toute évidence pas à son coup d'essai et qu'il aurait pu continuer encore très longtemps si l'une de ses victimes n'était pas parvenue à échapper à sa compagne en son absence. Les agents investiguèrent les lieux en divisant la propriété en 8 zones de recherche distinctes. La police trouvera différents éléments incriminants au sein du domicile du couple lors de la perquisition, comme par exemple des dispositifs permettant d'attacher des corps ou encore de faux badges de policiers, mais c'est à l'extérieur que le pire était. Sur le terrain se trouvait une semi-remorque d'à peu près 7 mètres de long, insonorisée, avec un système d'air conditionné, fermé à l'aide de plusieurs systèmes de verrouillage et entièrement aménagé en chambre de torture d'une valeur de 100 000 dollars. C'était ce que David Parkeray appelait son coffre à jouets. Au total, ce seront pas moins de 1000 éléments de preuve qui seront trouvés sur place, selon le New York Times. À l'intérieur, à l'entrée, on pouvait voir un panneau qui disait « Repère de Satan ». On y trouvera des fouets, des chaînes, des systèmes de poulies, des sangles, des pinces, des barres d'écartement qui se fixaient au niveau des chevilles et des jambes, des générateurs de décharge électrique, des scies, un cercueil doublé de fourrure pour enfermer les victimes et des instruments chirurgicaux comme par exemple des scalpels ou encore des seringues. Ray avait également de très nombreux jouets sexuels et instruments gynécologiques comme des spéculums ou une collection complète de godemichets de toutes sortes et de toutes tailles. Au mur étaient accrochés des schémas détaillés montrant différentes méthodes et techniques pour infliger de la douleur. Il collectionnait aussi les livres médicaux avec des représentations anatomiques et avait une copie du roman American Psycho dont il s'inspirait apparemment. Au centre de la remorque, un miroir était accroché au plafond, juste au-dessus d'un fauteuil obstétrical auquel les victimes étaient attachées pour subir les différents sévices. De cette manière, elles n'avaient d'autre choix que de voir chaque détail de ce qu'il leur faisait subir. Il avait également un grand nombre de photos prises lors de ses séances de torture sexuelle qu'il montrait à ses victimes, comme il avait fait avec Cynthia Vigil. En face du fauteuil gynécologique se trouvait une caméra pour filmer ses crimes ainsi qu'un moniteur qui permettait de diffuser les images. Une façon supplémentaire pour lui d'asseoir sa supériorité en les obligeant par un énième moyen à regarder sous tous les angles les tortures qu'il leur infligeait.
Ce qui se trouvait dans la chambre de torture était si sordide que même les enquêteurs chevronnés n'en sont pas ressortis indemnes. Après avoir visionné les premières vidéos sur le moniteur, les agents sont sortis et l'un d'entre eux a vomi. L'agent spécial Patty Rust, qui avait été missionné de passer quelques jours sur place à faire l'inventaire de ce que la remorque contenait pour le FBI, se suicidera d'une balle dans la tête avec son arme de service. Les enquêteurs tomberont sur la fameuse cassette qu'il avait fait écouter à Cynthia. David Parker Ray avait en effet pour habitude de passer un enregistrement de sa voix, un long monologue d'une durée de 50 minutes à ses victimes au début de leur captivité pour leur exposer les tortures qu'il comptait leur faire subir et les règles qu'il imposait. Un moyen pour lui de les désarmer et de les terrifier avant même que les supplices ne commencent réellement. Je vous laisse avec des extraits de ce que les captives ont dû entendre et subir. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. This tape is being created July 23rd, 1993, as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. You probably think you're going to be raped, and you're fucking sure right about that. Our primary interest is in what you've got between your legs. You'll be raped, thoroughly and repeatedly, in every hole you've got. Because, basically, you've been snatched and brought here for us to train and use as a sex slave. It's not like you're going to have any choice about the matter. You've been taken by force, and you're going to be kept and used by force. What all this amounts to is that you're going to be kept naked and chained up like an animal to be used and abused any time we want to, any way that we want to. It goes without saying that you have a fine body, and you're probably young, maybe very young, because, for our purposes, we prefer to snatch girls in the early to mid-teens, sexually developed, but still small-bodied, scared shitless, easy to handle, easy to train, and they usually have tight little pussies and assholes. They make perfect slaves. I thoroughly enjoy raping and screwing around with lesbians, and there's not as much danger of them carrying a sexually transmitted disease. And I don't like using condoms. Also, even though they're a little older, unless they've been playing with dildos a lot, they still have tight holes between their legs like the younger girls. You're going to be kept like an animal. I guess I've been doing this too long. I've been raping bitches ever since I was old enough to jerk off and tie the little girls' hands behind their back. As far as I'm concerned, you're a pretty piece of meat to be used and exploited. I don't give a flying fuck about your mind or how you feel about this situation. I don't have any respect for you. Here, your status is no more than that of one of the dogs. Your only value to us is the fact that you have an attractive, usable body. You're going to be kept and chained in a variety of different positions, usually with your legs or knees forced wide apart. Your pussy and asshole is going to get a real workout. Especially your asshole, because I'm into animal sex. Also, both of those holes are going to be subjected to a lot of use with some rather large dildos, among other things. And it goes without saying, there's going to be a lot of oral sex. On numerous occasions, you're going to be forced to suck cock and eat pussy until your jaws ache and your tongue is sore. A steel collar is going to be padlocked around your neck. It has a long, heavy chain that is padlocked to a ring in the floor. The collar will never be removed. You're going to be required to learn fast. Training is not one of my favorite things to do, and I prefer fucking around with a slave that's already trained. We've done this so many times that we know exactly what we like to do with the slave.
I've prepared a questionnaire that I fill out with each new captive. Some of the questions are going to be embarrassing, but you should answer them truthfully and completely. While we go through the questionnaire, you're going to be strapped down on the gynecology table. Your feet will be in the stirrups, and your knees will be pulled wide apart, with everything exposed. I like to keep a girl that way while she's answering the questions, so I can examine and verify anything she might tell me which would affect her use as a sex slave. Au-delà de tous les sévices décrits précédemment, Ray ira encore plus loin en brûlant l'intérieur du vagin de ses victimes avec un fer chaud ou encore en incluant dans les tortures sexuelles des actes zoophiles, comme il l'avouera lui-même. You'll be taken into the living room and put on the floor on your hands and knees, naked. Your wrists, ankles, knees and hips will be strapped to a metal frame to hold your body in that position. The frame is designed for doggy fucking, your ass up in the air, positioned similar to that of a bitch dog in heat, right in the middle of the floor so we can sit on the couch and in chairs and watch. Now I have three dogs. All of them's male. One of them is a very large German shepherd that is always horny, and he loves it when I bring him in the house to fuck a woman. And in the process, he'll probably scratch your tits up a little bit with his claws. And they put me on the floor and they poured hot gravy all over me and they got their dog to come lick it off. And they were trying to teach their dog how to have sex with a human. On sait que David Parker Ray ramassait ses victimes, souvent des prostituées, sur la route ou principalement dans les bars, notamment au Blue Water Saloon. Il aurait fait jusqu'à 6 victimes par an, les kidnappant et les séquestrant pendant une durée s'étalant de quelques jours à 3 voire 4 mois dans le but de les torturer sexuellement avant de les relâcher pour la plupart. Pour cela, il forçait les femmes à ingérer de puissants cocktails médicamenteux, provoquant des troubles amnésiques et par conséquent une incapacité pour la victime de se souvenir de ce qui lui était arrivé et d'identifier son agresseur. After we get completely through with you, you're going to be drugged up real heavy with a combination of sodium pentothal and phenobarbital. You'll be dressed, sedated, and turned loose on some country road, bruised, sore all over. Maintenant, vous l'aurez compris, les extraits de l'enregistrement de Parker Ray sous-entendent qu'il n'agissait pas seul, et on sait aujourd'hui que c'était bel et bien le cas. Il semblait être couvert par différentes personnes et voisins. Il reconnaît lui-même faire partie d'une espèce de cercle privé avec lequel il organisait des soirées permettant ainsi à ses amis de profiter à leur tour de ses esclaves. Il est également de notoriété publique qu'il était soutenu et aidé par sa compagne, Cindy Andy, comme nous l'a rapporté Cynthia Vigil Jaramillo. Parmi ses complices connus se trouvait aussi un jeune homme du nom de Dennis Roy Yancey, un ancien marine devenu ami avec la fille de Ray. Enfin, on peut compter Glenda Jean Ray elle-même, surnommée Jess, la propre fille de David Parker Ray. Cette dernière niera tout lien avec les crimes de son père, mais on détient des preuves du contraire. On sait notamment qu'elle participait au kidnapping et aux abus sexuels. Le point commun de ses protagonistes semble être le satanisme, aussi étonnant que cela puisse paraître. Jess y introduira Dennis Roy Yancey alors qu'elle tenait elle-même cela de son père. On ignore cependant la réelle place de cette idéologie dans la dynamique criminelle et si le satanisme était une croyance profonde pour Parker Ray ou simplement un moyen théâtral de compléter ses nombreuses pratiques sadomasochistes et de bondage. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait et suite à la médiatisation du témoignage de Cynthia Vigil Jaramillo, une autre victime s'est manifestée. Angelica Montano racontera aux autorités être une connaissance de Ray et avoir été séquestrée pendant plusieurs jours, un peu plus d'un mois avant Cynthia, alors qu'elle s'était rendue à son domicile pour lui emprunter de quoi faire un gâteau suite à la proposition de Cindy Andy. Ray, après l'avoir torturée et violée, l'a abandonnée au bord d'une autoroute dans le désert après qu'elle ait supplié de la laisser partir.
Elle sera prise en stop par un agent de police qui n'était pas en service à ce moment-là, à qui elle racontera les faits, mais ce dernier ne la croira tout simplement pas face au caractère surréaliste de son témoignage et la laissera à un arrêt de bus un peu plus loin. Plus tard, elle rappellera les forces de l'ordre au sujet du couple, mais il n'y aura aucune suite. Malheureusement, moins de 2 mois après les arrestations de Ray et Andy, Montano est décédé d'une insuffisance cardiaque provoquée par une pneumonie au jeune âge de 28 ans. D'autre part, le FBI, en analysant minutieusement les photographies ainsi que les enregistrements vidéo des différentes séances de torture, tentera d'identifier les victimes. On ne réussira à établir l'identité d'aucune de ces femmes, à l'exception d'une seule, grâce à l'image floue et pixelisée d'un tatouage difficile à distinguer, sur une vidéo datant de 1996, soit 3 ans avant les faits concernant Cynthia Vigil. Après avoir travaillé l'image un maximum pour en améliorer la qualité, on l'a rendue publique. Une femme du nom de Kelly Garrett, aussi appelée Kelly Van Cleave selon les sources, s'est manifestée, reconnaissant son propre tatouage à la cheville. Elle était allée à Elephant Butte, mais présentait une amnésie d'une durée de 2 jours concernant cette période. Suite à cela, elle avait déclenché une dépression, de l'anxiété, une incapacité à avoir une intimité avec un homme, ainsi que des troubles du sommeil, avec de nombreux cauchemars qui étaient en réalité des souvenirs, mais cela, elle l'ignorait. Elle raconte qu'elle s'était disputée avec son mari le soir du 24 juillet et avait décidé de sortir pour s'aérer l'esprit et jouer au billard avec des amis. La fille de Ray, Jess, qui connaissait Kelly et était présente ce soir-là, aurait drogué la bière qu'elle buvait. Elle a offert à la victime de la ramener chez elle, mais une fois sur le parking, Kelly recevra un violent coup à la tête et se réveillera chez le père de celle qu'elle pensait être son amie. Là, comme les autres, elle sera attachée par le cou, torturée et violée. Elle se souvient uniquement avoir retrouvé un état de conscience plus ou moins lucide dans un McDonald's avec une blessure d'égorgement partielle, accompagnée de David Parker Ray qui lui dira l'avoir trouvée inconsciente sur les rives d'un lac et qui la ramènera à son domicile vêtue de son uniforme officiel de garde forestier. Elle sera soignée dans une clinique locale, mais son mari ne croira pas au fait qu'elle n'ait aucun souvenir des jours précédents et pensera qu'elle lui avait été infidèle. Kelly, quant à elle, démunie, a déclaré qu'elle ne savait pas quoi dire à la police et donc a décidé de ne pas la contacter. Les beaux-parents de la victime supposeront qu'elle avait consommé des drogues et avait donc fait un blackout. Suite à ces événements, son mari a demandé le divorce et Kelly a déménagé seule au Colorado. Au fil du temps, elle a pu recouvrer partiellement la mémoire jusqu'à réussir à témoigner dans le cadre de l'enquête. Ce qui est resté en questionnement concernant cette affaire, au-delà de la protection dont semblait jouir David Parker Ray, sont ses moyens financiers. En effet, il avait un revenu mensuel de 1 100 $, tandis que Cindy Andy vivait avec une aide d'un montant de 330 $. Cependant, Ray possédait un compte bancaire à 5 chiffres, une caravane, plusieurs voitures, un camping-car, un voilier et un bateau à moteur. Sans oublier bien sûr sa chambre de torture d'une valeur de 100 000 $. On peut donc aisément se questionner quant à la provenance des fonds du couple pour acquérir tout ça. On a émis l'hypothèse qu'il filmait ses séances de torture pas uniquement pour son bon plaisir, mais également pour vendre les images sous forme de snuff movie à son réseau de contacts dans le milieu du bondage clandestin. David Parker Ray est né le 6 novembre 1939 à Belen, une ville du comté de Valencia, au Nouveau-Mexique. Il passera les premières années de sa vie avec ses parents, Cécile et Nettie Ray, ainsi qu'avec sa sœur cadette, Peggy. La famille était modeste et Cécile était un homme violent et alcoolique, maltraitant sa famille, s'en prenant aussi bien à sa femme qu'à ses enfants. Il quitte finalement Nettie quand David n'a que 10 ans. Après le divorce, on a décidé d'envoyer David et Peggy vivre avec leurs grands-parents dans leur ranch à Montaner dans le comté de Torrance. À partir de ce moment-là, David sera principalement élevé par son grand-père, Ethan Ray, un homme d'environ 70 ans, dur, extrêmement strict et très croyant, qui prônait une éducation fondée sur les sanctions physiques. C'est donc dans un environnement violent et accumulant les carences affectives que grandira le jeune garçon. Enfant, David est grand, timide et maladroit, notamment avec les filles, ce qui lui causera de grandes difficultés pour s'intégrer. Il sera scolarisé au Montaner High School, mais subira beaucoup d'intimidation de la part de ses camarades. Ses insécurités le pousseront à passer une grande partie de son temps libre seul, au ranch, à boire et à consommer des drogues. Il continuera de voir parfois son père, qui lui fournit dès le début de son adolescence des magazines X sadomasochistes.
On nous rapportera d'ailleurs que sa sœur tombera sur des images et des dessins pornographiques violents appartenant à David, images qu'il avait tenté de cacher dans sa chambre. Il avait alors seulement 13 ans. C'est à cette époque qu'il a donc commencé de façon très précoce à développer une certaine fascination pour le milieu BDSM et ses pratiques et que ses fantasmes de violence se sont développés. Au niveau professionnel, il servira dans l'armée américaine, recevant une décharge honorable à la fin de son engagement. Il travaillera par la suite dans une station-service, en tant que réparateur de voies ferrées et en tant que mécanicien automobile. Il sera même pompier volontaire. Au moment de son arrestation, il travaillait comme garde forestier pour le parc d'État. David Parker Ray se mariera et divorcera 4 fois et aura 2 enfants. C'est avec sa troisième épouse, Glenda Burdine, 18 ans au moment de leur rencontre en 66, qu'il aura Glenda Jean Ray, surnommée Jess. David s'ennuiera rapidement dans cette relation et quittera sa famille, laissant son épouse et leur fille seules pour rejoindre la révolution hippie en 69. Il part alors sillonner les routes du Nouveau-Mexique en compagnie d'une jolie jeune femme blonde prénommée Sally. Cette dernière confiera une connaissance qu'elle avait perdu sa virginité avec David et qu'elle attendait un enfant de lui. Elle disparaîtra bizarrement dans les jours suivants et personne ne la reverra. Peu de temps après, Ray retournera finalement à sa vie de famille. On sait cependant qu'en parallèle de ses mariages, il allait voir des prostituées à l'insu de ses épouses. David Parker Ray est décrit comme très intelligent par les agents du FBI et particulièrement doué pour paraître normal aux yeux de la majorité. On a émis l'hypothèse qu'il a réussi à ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre parce qu'il avait un emploi stable, aucun casier judiciaire et donnait l'image d'un homme poli. C'était pourtant bien à un esprit malade que ses voisins et collègues avaient affaire. L'homme qui, selon son propre aveu, était fasciné par l'affaire Colin Stan était atteint d'une paraphilie que l'on a souvent abordée ensemble sur cette chaîne, notamment avec l'affaire Robert Ben Rhodes ou encore Peter Dupas. Je parle bien entendu du sadisme sexuel. Chez Ray, on observe dès l'entrée dans l'adolescence une espèce d'amalgame entre ses pulsions sexuelles et agressives. On est face à un phénomène d'érotisation de la violence poussée avec une dimension psychopathique qui s'exprime notamment dans la recherche de domination et de plaisir immédiat sans prise en compte d'autrui. Mary Ellen O'Toole, agent du FBI spécialisée dans les enquêtes qui touchent au sadisme sexuel criminel, a affirmé que le coffre à jouets et l'équipement de Ray étaient extrêmement impressionnants en termes de sadisme, tant par leur létalité potentielle que par les moyens mis en œuvre dans ce projet. O'Toole reconnaîtra également qu'aucune thérapie n'aurait pu permettre de soigner la paraphilie de Ray. Comme dans beaucoup de cas de criminels sadiques, l'auteur intègre la coercition, les bâillons et les liens physiques pour asservir complètement ses victimes. On retrouve chez Parker Ray tous les marqueurs du sadisme, comme une excitation d'ordre sexuel dans la vision de la souffrance de l'autre, l'usage d'armes, la séquestration, la torture et l'humiliation. On est face à ce qu'on appelle en psychologie la réification, terme qui renvoie au fait de considérer autrui comme un objet, de le déshumaniser en ne considérant l'autre que comme une source de jouissance pour soi, en niant tout lien social, toute forme d'empathie, de réciprocité, etc. C'est ce que l'on retrouve tout au long de son enregistrement, quand par exemple il qualifie les femmes enlevées d'esclaves, ou quand il dit qu'elles ne sont là que dans un but utilitaire, pour combler ses désirs pervers. We take 4 or 5 different girls each year, depending on our urges and sometimes accidental encounters. Basically, I guess we're like predators. You cannot talk. You cannot speak unless you've been given permission. I believe that rule gets more bitches in trouble than anything else, because they can't keep the damn mouth shut. They always want to whine, beg, plead, try to talk me into turning them loose. Around here, your mouth is for sucking, not talking. D'un point de vue psychologique, le viol ou les agressions sexuelles renvoient à une excitation sexuelle déviante et à une déficience des habiletés sociales. Et un point de vue que je trouvais intéressant à aborder dans le cadre de cette vidéo est le processus d'aggravation dans le contexte d'un viol ou d'un homicide. Ce concept renvoie au fait que le comportement de la victime semble influer sur le comportement de l'agresseur à son égard. Par exemple, une étude a montré qu'une victime dite agressive courait plus de risques de se faire tuer. Autrement dit, la réaction de la victime a un impact sur celle de l'agresseur. Un type de réaction victimologique entraîne un type de réaction similaire chez l'agresseur,
Donc si la victime est agressive à son endroit, celui-ci sera encore plus agressif. Si la victime résiste par des coups, il lui en infligera davantage. La résistance de la victime augmente donc le risque de blessure. Il a été prouvé qu'au cours d'un viol, plus la victime résiste, plus importante sera l'attaque physique de l'agresseur, et un sentiment de colère suscitera chez lui une tendance à utiliser plus de violence que nécessaire pour arriver à ses fins. Ces données seront reprises en 1998 avec le concept de réciprocité négative. Ce constat dans le champ de la recherche situe donc le crime dans une dynamique interactionnelle. Mais attention, ici je ne me positionne pas personnellement, je ne fais que rapporter des données et ne suis aucunement en train de légitimer les actes d'un agresseur ou de responsabiliser la victime. Pour éclaircir ces concepts, les auteurs nous expliquent que le déroulement de l'acte criminel dépend de l'interaction entre les acteurs dans une situation particulière. Chaque sujet étant amené à faire des choix qui sont des moyens dits d'adaptation, les intentions et les sentiments de l'agresseur ante passage à l'acte sont des variables à bien sûr prendre en compte, mais une interaction s'opère entre ce qu'est l'agresseur au moment du crime en tant qu'être intentionnel et ce qu'est la situation, l'environnement direct. Ces données sont intéressantes parce qu'elles sont parfaitement illustrées chez Parker Ray. Particulièrement attaché à sa supériorité sur ses victimes et très clair quant aux règles qu'il fixe, Ray ne supporte pas que celle qu'il déshumanise totalement bafoue son autorité et lui désobéisse en se montrant récalcitrante. Il met d'ailleurs en garde ses victimes quant à la réalisation de certaines punitions en cas de révolte ou du moins de toute forme d'insoumission totale, et il avoue dans son audio avoir pu aller jusqu'à des formes extrêmes de violence, voire jusqu'au meurtre, bien que ce ne soit aucunement son envie initiale, s'il y a eu chez lui une forme de contrariété. You will respond to commands without protest or resistance. If I decide to rape you in your pussy or in your asshole, don't resist or struggle. When I tell you to spread your legs or to pull them back, you say yes, master, and obey the command. For repeated rule violations, the punishments are eventually going to become harsh and even brutal, and you won't have anyone to blame but yourself. Now, I should also tell you that there's going to be times when the whip and electroshock is used not for punishment, but for our pleasure. You are expendable. It may sound harsh and cold, but if you give us too much trouble, or if you pose any kind of threat to us, I won't have any qualms at all about slicing your throat. Like I said before, I don't like killing the girls that we bring here, but occasionally things happen. Si maintenant on s'intéresse à sa complice Cindy Andy, de son vrai nom Cynthia Lee Endian, on peut dire qu'elle a connu une enfance plus que troublée et une adolescence dévastatrice. Elle voit le jour en 1960 et est élevée dans un quartier pauvre de la banlieue d'Everest dans l'état de Washington. Andy a grandi avec une mère barmaid alcoolique qui ne s'assurait pas forcément qu'elle ait de quoi manger. Cette dernière épousera un homme violent qui tentera de violer Cindy alors qu'elle n'avait que 11 ans. Étant allé la rejoindre en pleine nuit dans son lit, il se défendra en affirmant auprès de sa femme qu'ivre, il avait confondu un lit avec un autre. La mère de Andy prendra son parti et le couple expulsera Cindy de la maison vers l'âge de 12 ans. La jeune fille abandonnera l'école à 15 ans. Seule, livrée à elle-même, Cindy commencera à fréquenter des trafiquants, à se prostituer et est devenue dépendante à l'alcool et à la cocaïne. Très jeune et de façon tout à fait dysfonctionnelle, mais sans doute en réaction à certains événements traumatiques, Cindy se met à nourrir des fantasmes de viol sur des femmes, notamment avec son conjoint, sans pour autant passer à l'acte. Elle aura 3 enfants de pères différents, dont le premier a 16 ans. Comme sa propre mère, elle aura du mal avec ce rôle, et lorsque le plus jeune de ses enfants a eu 10 ans, Andy a renoncé au fait de les élever et les a envoyés chez leurs grands-parents. Elle déménagera au Nouveau-Mexique pour éviter d'être poursuivie pour contrefaçon, vol et possession de drogue. C'est là, après être sortie d'une relation violente, qu'elle trouvera un emploi dans un parc d'État et qu'elle rencontrera David Parker Ray, de 20 ans, son aîné. Les deux amants seront rapidement liés par leur fantasme sexuel violent partagé.
Selon Andy, Ray était le cerveau derrière leur crime et celui qui avait l'ascendant dans le couple. Mais dans la réalité, Andy était tout sauf une partenaire passive qui subissait les travers de son conjoint. On a émis l'hypothèse qu'elle ne serait peut-être pas passée à l'acte sans l'influence de Ray, mais son univers fantasmatique rejoignait le sien et elle finira par prendre part à ses activités. D'abord, elle admettra avoir ressenti de la curiosité et un certain intérêt quand Ray a commencé à se confier à elle au sujet de ses premiers crimes. On sait aujourd'hui qu'elle a joué un rôle actif dans la capture des victimes et qu'elle n'avait aucun remords, aucune forme de culpabilité sincère. Elle ne se contentait pas de regarder son conjoint abuser de ses femmes, elle pouvait les soumettre tout comme lui, les humilier et même participer aux sévices. Elle reconnaîtra par exemple avoir fouetté Cynthia Vigil. Cette dernière, dans son témoignage, rapporte avec précision la présence et la contribution d'Andy, notamment quand sa tortionnaire l'a électrocutée dans le camping-car, ou encore quand elle l'a frappée pour éviter que Vigil ne s'échappe, et ce, même en l'absence de son conjoint. Sa complicité est confirmée par Ray lui-même dans son enregistrement à de nombreuses reprises. I'm your master, and the lady is your mistress. You will be totally docile. You are a slave. My lady friend and I have been keeping sex slaves for years. We both have kinky hang-ups involving rape, dungeon games, etc. We found that it is extremely convenient to keep one or two female captives available constantly to satisfy our particular needs. Mostly what we do to a captive is stick needles in her breasts, through her nipples, through her cunt lips, through her clit, and I'm into stretching certain things. Clamps with long nylon cords on each one will occasionally be put on your cunt lips so your pussy can be kept pulled open. And they're also going to be attached to your nipples. The nylon cords will be put through ceiling rings or rings on each side of the table and pulled very tight to stretch your tits. Occasionally, your clit will also be clamped and stretched, and we're going to be using dildos. The dildos are going to be used a lot, more than anything else, and consequently what you're going to have the most trouble with. Many of them are very long, very large in diameter, and very painful when they're being forced in. Your mistress will use them in your pussy, and I like to use them in both holes. As far as sex goes, your mistress is going to want her pussy eaten a couple of times a day. For my part, I like getting off on a slave twice and sometimes three times each day, usually in her mouth or in her asshole. Don't get me wrong, I'm going to be sticking my dick in your cunt once in a while too, but for the most part, when I use that hole, it's going to be with large dildos. Si maintenant on s'intéresse à Glenda Jean Ray, la fille de David qui avait 32 ans au moment de l'arrestation, on peut affirmer qu'elle l'a également aidée à réaliser ses fantasmes sadiques en prenant part notamment à certains enlèvements, comme quand elle a drogué le verre de Kelly. Cependant, avant de rejoindre son père pour mener à bien ses activités perverses, Jess avait pourtant tenté de mettre en garde les autorités concernant ses crimes. Après avoir assisté à sa première séance de torture sur une prostituée, la jeune Jess de 19 ans informe le FBI en 1986. L'agent Doug Beldon nous rapporte qu'elle a témoigné à l'encontre de son père, qui était un homme déjà très actif dans la communauté du bondage, en affirmant que David Parker Ray enlevait et torturait des femmes avant de les vendre comme esclaves sexuels à des acheteurs du Mexique. Les autorités l'écouteront stupéfaites, mais Jess ne détenait aucune preuve, donc sa plainte ne fera pas l'objet d'une plus grande attention. Le rapport a été classé sans suite et 13 autres années d'enlèvement, de séquestration, de torture et de meurtre suivront. Ce sera la première et seule fois que Jess sera coopérative avec les forces de l'ordre au sujet de son père. Elle continuera d'être témoin des préférences masochistes de David ainsi que de ses crimes. On imagine que Jess a fini par accepter la situation avec cet homme qui ne lui cachait rien de sa nature et restait malgré tout son père. Ils étaient, semble-t-il, proches, une proximité qui a été décrite comme inconfortable même.
Certains disent qu'elle a développé des envies et une déviance similaires à celles qu'elle voyait chez son père, d'autres sont persuadés qu'elle a été sexuellement abusée et qu'elle obtempérait dans le but de se préserver. Jess donnera d'ailleurs naissance à une petite fille prénommée Kyla en 1990 et une hypothèse selon laquelle Ray serait le père de l'enfant a circulé. La fille de David démentira les rumeurs d'inceste. En 1999, Denise Roy Yancey, l'un des complices de David, plaidera coupable du meurtre de Mary Parker, son ex-copine qui avait disparu en 1997 à Elephant Butte. Yancey a avoué avoir aidé Jess Ray à attirer Mary chez David. Il a également déclaré qu'elle avait été torturée dans le coffre à jouets 3 jours durant et que Ray l'avait forcée à étrangler la victime à mort à l'aide d'une corde. Yancey sera aussi accusé d'enlèvement, de 2 chefs de complot en vue de commettre un meurtre et de falsification de preuves. Il sera donc condamné à 2 peines consécutives de 15 ans d'incarcération. Un juge décidera que les dossiers de Cynthia Vigil, Angelica Montano et Kelly Garrett seraient jugés séparément. Il a également été défini qu'une grande partie des preuves trouvées dans la semi-remorque lors de la perquisition de 1999 ne seraient pas admissibles en cours dans les affaires Garrett et Montano. Ray essaiera de prétendre qu'il avait eu des relations sexuelles extrêmes mais consensuelles avec ses victimes, cependant au vu des éléments à charge, on ne le croira bien entendu pas. En 2000, Cindy Andy témoignera contre son conjoint et sera condamnée à 36 ans de prison pour enlèvement et pour meurtre au second degré, comme convenu dans la négociation de plaidoyer. Au procès de David Parker Ray, Garrett et Vigil témoigneront des tortures auxquelles elles avaient dû être confrontées. Kelly Garrett, qui pleurait et tenait la main de Cynthia Vigil dans la salle d'audience, le décrira comme un homme pervers et malade. Elle dira qu'elle souhaitait que Ray vive longtemps et souffre en prison, qu'il soit utilisé comme elle l'avait été parce que la peine de mort aurait été trop facile. Elle refusera d'être qualifiée de victime, préférant le terme de survivante. Loretta Romero, la mère de Montano, s'exprimera pour sa fille décédée, décrivant comme cette dernière avait perdu sa joie de vivre. Elle ajoutera cependant pardonner au tortionnaire de sa fille, sans pour autant oublier. Bertha Vigil, la grand-mère de Cynthia, expliquera que sa petite fille faisait des cauchemars chaque nuit et comment Ray avait ruiné sa vie. Elle maudira l'auteur des faits et déclarera prier chaque jour pour que Ray souffre. Sa petite fille déclarera avoir des séquelles, aussi bien physiques que psychologiques, qui ne guériront jamais. Elle partagera sa peur du noir, d'être attachée ou impuissante, et de sortir seule. Selon elle, aucune punition ne serait égale à ce qu'il lui a fait endurer. When I got on the stand and I was able to tell my side and look at him in the face and tell him, I'm no longer your victim. Look where you're at and look where I'm at. I'm the survivor. And now I have control. Ray restera impassible pendant que ses victimes défileront devant lui. Il dira avoir tout perdu depuis son arrestation, y compris la santé, et déclarera avoir eu le temps de réfléchir et de lire la Bible. En 2001 donc, une semaine après le début du procès pour ses crimes à l'encontre de Cynthia Vigil, il acceptera de plaider coupable pour que sa fille reçoive une peine réduite et sera condamnée à 224 années d'incarcération. Jess Ray, quant à elle, sera condamnée pour enlèvement conformément à l'accord de son père. Elle recevra donc une peine de 2 ans et demi de prison avec 5 ans de probation. Le 28 mai 2002, David Parker Ray est transporté à l'établissement correctionnel du comté de Lea à Hobbs, au Nouveau-Mexique, pour être interrogé de nouveau. Il décédera d'une crise cardiaque avant l'interrogatoire programmé. Il avait alors 62 ans et ça ne faisait que quelques mois qu'il avait reçu sa peine. Cynthia Vigil Jaramillo déclarera à ce sujet. Expected me to be like, oh, you didn't get justice, you didn't get justice. At the end of the day, he couldn't hurt nobody else. The taxpayers weren't paying to keep him alive. And regardless where he went, if he made peace with his God or not, he wasn't here to hurt nobody, and we weren't paying to keep him alive anymore. So I was okay with him. I was okay with him dying.
Cindy Andy, bien qu'ayant commis de nombreuses infractions en prison, comme la possession de produits de contrebande ou de drogue, sortira au bout de 19 ans d'incarcération le 15 juillet 2019. Elle est donc actuellement âgée de 63 ans et est en totale liberté. Roy Yancey, quant à lui, était sorti en 2011, mais 3 mois plus tard, il violait sa libération conditionnelle et retournait donc en prison. Il sera finalement libéré en 2021 et vit tout à fait normalement, étant même très actif sur les médias sociaux. Pour finir, Jess Ray, qui est libre depuis un certain nombre d'années, vit aujourd'hui avec sa mère à Somerset, au Kentucky, et travaille dans une maison de retraite sous une nouvelle identité. Si maintenant on s'intéresse aux côtés des victimes, on a surtout des informations concernant Cynthia Vigil. Celle qui a été la dernière victime de Ray et sera responsable de son arrestation fera tout pour mettre à profit ses épreuves et se relever. Elle suivra une formation d'assistante dentaire et une autre d'assistante médicale. Elle soignera ses addictions et s'engagera contre les violences sexuelles. Elle sera bénévole au sein d'une association et créera en 2010 Safe Sex Work, rebaptisée Street Safe New Mexico. Cette association à but non lucratif vient en aide aux femmes sans domicile fixe ou qui sont des travailleuses du sexe, victimes de proxénétisme ou de toxicomanie. Elle souhaite également reprendre des études de droit dans le but de, je cite, « améliorer le système judiciaire ». Jaramillo aura 4 fils, malheureusement elle perdra l'un d'eux, Ruben, 15 ans, d'une blessure par balle à la tête fin mai 2016. Et pratiquement au même moment, son frère cadet Matthew, 14 ans, sera arrêté pour meurtre. Les crimes de Ray et de ses complices auront marqué de nombreuses vies, et bien qu'à l'heure actuelle, plus aucun des auteurs ne paie pour leurs méfaits, l'affaire n'a pas fini de révéler tous ses mystères. Il est impossible de savoir combien de victimes exactement ont vu les horreurs de la boîte à jouets. Les agents du FBI ont mis la main sur le journal de Ray, un carnet ne contenant aucun nom mais qui répertoriait des dates se référant à ses enlèvements et aux tortures. C'est comme cela qu'entre le début des années 60 et 99, on a estimé à au moins une 40aine le nombre de victimes encore inconnues dont on n'a aucune trace. Ce chiffre pourrait aller jusqu'à 60, comprenant essentiellement des victimes originaires de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. On suspecte très sérieusement Parker Ray d'avoir commis de nombreux meurtres au cours de ces années. On a par exemple le témoignage de Yancey, selon lequel David Parker Ray lui aurait demandé de tuer Mary Parker. Cette scène aurait d'ailleurs été filmée, mais l'on ne retrouvera jamais la cassette qui a dû être vendue comme c'est arrivé de nombreuses fois. Yancey affirme qu'ils ont enveloppé le corps de Mary dans une couverture, se sont ensuite rendus en voiture dans un canyon et l'ont enterré là. Ray avait menacé de le tuer s'il en parlait à qui que ce soit. Ces faits seront corroborés par Cindy Andy qui avoue avoir été témoin de plusieurs meurtres. Cette dernière affirmera également que David lui avait parlé de plusieurs corps qu'il avait jetés dans un lac et raconté comment il les avait alourdis et éviscérés afin que l'air ne les ramène pas à la surface. La police trouvera d'ailleurs au domicile du couple une carte du lac d'Elephant Butte présentant des croix à divers endroits. On sait aussi que Parker Ray s'est vanté auprès de l'une de ses ex-épouses, Peggy, d'avoir fait sa première victime au début de son adolescence, l'ayant enlevée sous la menace d'une arme blanche, attachée à un arbre et torturée à mort. Enfin, il aurait aussi admis avoir eu un complice nommé Billy Bowers, un ancien partenaire commercial qu'il aurait également assassiné. En somme, l'auteur des faits aurait avoué un certain nombre de meurtres sans qu'aucun corps ne soit découvert. Avec sa mort, l'affaire est devenue une impasse, aucune victime sur les vidéos ne sera identifiée formellement et aucune mort suspecte ou disparition ne sera officiellement liée à Ray. Le FBI mènera d'importantes fouilles dans la zone et pas moins d'une centaine d'agents ainsi que des chiens renifleurs seront dépêchés sur place pour examiner la propriété et les environs, cependant aucun reste humain n'a pu être retrouvé. Roy conduira la police à l'endroit exact où ils avaient enterré Mary Parker, mais elle était introuvable. Il a supposé que David avait dû revenir plus tard pour déplacer le corps par manque de confiance envers Yancey. En octobre 2011, le FBI a effectué une fouille du canyon McRae près du lac à la recherche de victimes potentielles, mais à nouveau, on n'en a trouvé aucune. If I killed every bitch that we kidnapped, there'd be bodies strung all over the country. And besides, I don't like killing a girl unless it is absolutely necessary. I had plenty of bitches to practice on over the years, so I've pretty well got it down pat. I believe that there are
women who didn't survive, even though they haven't found the bodies, I truly believe it. The look in his eyes and the happiness he got when he told me I was going to the toy box, I believe he truly harmed women in there. And going through what I went through, I can only imagine what he put these women through. You know, I believe he killed these women. À partir de novembre 2002, la Toy Box de Parker Ray a été ouverte au public dans l'espoir que cela permette à d'autres survivantes de se manifester. Pour finir, les trophées que Ray gardait de ses victimes à son domicile, en somme des bijoux et des vêtements féminins, soutiennent la thèse d'un criminel extrêmement prolifique. À l'heure actuelle, ces trophées sont consultables en ligne, le FBI ayant lancé un appel public adressé aux amis et membres des familles de personnes disparues à cette époque. On dénombre pas moins de 400 photos d'objets appartenant à des victimes non identifiées. Tous les témoignages et éléments de preuve convergent dans le même sens. Et si tout est véridique, cela fait de David Parker Ray l'un des tueurs en série les plus sophistiqués, minutieux et prolifiques de l'histoire des États-Unis, jamais condamné pour meurtre. Il est assez effrayant de penser que dans le lac d'Elephant Butte, aux allures paisibles et familiales, où l'on se retrouve pour se baigner, pêcher ou faire du kayak, se trouvent en réalité les corps des victimes non identifiées de David Parker Ray. Peut-être obtiendrons-nous un jour des réponses aux questions restées en suspens, les profondeurs du lac n'ayant pas livré tous leurs secrets. Je ne vous cache pas que c'est de loin l'épisode qui m'a demandé le plus de travail, puisque j'y ai passé un mois entier, donc n'hésitez surtout pas à me faire part de ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez me laisser un like, vous abonner à la chaîne, mais surtout je compte sur vous pour partager un maximum, histoire de donner de la visibilité à mon travail. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau profil, prenez soin de vous. Walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. There's so much pain and crying all around.